Cette sortie botanique de mi-mars nous emmène dans la chaîne de la Sainte-Baume à Lubac du col de l'Espigoulier dans les Bouches-du-Rhône. Ici, la végétation commence à peine à s'éveiller, mais pour quelques espèces typiques des versants nord, c'est leur période de floraison. Yesterday the sky was naked. Today she's wrapped herself in gray. Elaeborus fœtidus, c'est l'élébore fœtide, plante vénéneuse. Les parties fleuries de cette plante ont une odeur désagréable. L'élébore est en fleur de janvier à avril. Whatever today brings. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Daphné loreola. Cette plante persistante croît dans les bois des ubacs élevés. Elle porte aussi le nom de laurier purgatif à cause des propriétés de ses fruits, et donc ne pas consommer. Which nearly masks these nervous hands, which still have much to say. Les gagias sont d'identification souvent difficile, particulièrement sans abîmer la plante. Surtout que ces espèces sont protégées sur tout le territoire national. On notera ici le pédicelle à pilosité d'aspect laineux. Which are fading from my mind. Carex humilis, souvent confondu avec Carex aleriana. Ce carex fréquente surtout les crêtes élevées. La plante est reconnaissable à ses courtes tiges, bien plus courtes que ses feuilles, qui sont presque filiformes. Think I'll go and cut my hair. Throw away these faded rags, torn from all the wear and tear of tumbling in turmoil, and then hitting the ground, bouncing back with bated breath. Iberis saxatilis, c'est surtout de près que la beauté de cette fleur s'affirme. Cesslaria caerulea. Répandue dans les contrées montagneuses calcaires, elle épanouit ses fleurs bleuâtres à partir du mois de mars. Ici, encore peu d'espèces sont en fleurs ou développées. Les quelques centaines de mètres d'altitude et l'exposition nord ralentissent leur développement, alors que dans la plaine toute proche, le printemps est déjà là.